Un foyer polyvalent et un marché moderne réalisé à Négué-Pied, dans la ville de Tengrela. Un périmètre de culture de 2 hectares aménagé et équipé à Négouni. Voici les infrastructures visitées par la mission de la Banque mondiale. Ces œuvres ont été réalisées par le projet Cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Il a pour objectif d'améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles exposées aux conflits et aux risques climatiques. Oui, je, je crois que ce projet a beaucoup de potentiel. Euh, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de besoins. Euh, nous avons. Euh Toujours euh, trois années pour avancer avec ce projet. Il y a beaucoup de régions différentes avec euh, avec ces similaires besoins et j'ai beaucoup d'esprit de, de, de peu avancer avec euh, cet agenda et avec apporter le nord du pays où il y a le besoin de, de faire ça. Pour nous, c'est une étape importante dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il est bon que nos partenaires viennent sur le terrain, soient au contact avec les populations. Et c'est ce que les populations vont dire au travers de ces, ces rencontres-là qui sera important à retenir pour, dans le cadre de ce projet. Le projet COSO est déployé à ce jour dans les 10 régions cibles où les équipes conduisent l'approche du développement conduit par les communautés, consistant à appuyer les communautés à la formulation et au suivi de l'exécution par elles-mêmes. D'un coût global de plus de 87,4%. 89 milliards de francs CFA, le projet COSO est une réponse holistique régionale qui adresse les questions de fragilité, conflits, violence dans le nord des pays ciblés. Au moins 810 000 personnes issues des villages et groupes de villages des régions cibles, des femmes et des jeunes, bénéficieront des services de ce projet.